les tueurs sautent quand ils portent quelqu'un, on dirait. Ouais, tu peux sauter en fait quand tu transportes un survivant pour le mettre sur une chaise, effectivement, tu peux sauter, ouais, tu peux jump. C'est plutôt drôle en vrai de voir ça. C'est la nonne. L'avantage c'est que je peux me transformer en bouteille de pinard et passer par la fenêtre. Dommage qu'il s'est... C'est dommage qu'il s'est déjà donné la porte en vrai. Ok, bye. Ah, y'en a un qui a... Oh putain, mais non, mais le mec il a rage kit. Mais vas-y, mais c'est quoi ça? Je l'ai pas stun? Attends, je l'ai stun et ma mia hit en même temps? Mais c'est... Il avait une macro le mec. Non mais je vous jure, c'est impossible. Il avait une macro. C'est sûr. Mais c'est pas normal que tu puisses te libérer plus vite si t'as une macro. C'est quand même chelou quoi. Vargou, pense à faire shift, ça te met droit. Ok, ça roule. Hit validation comme dans DVD. Ouais, ça c'est pas normal. Normalement, j'aurais dû la... Je l'ai stun, mais elle m'a hit en même temps, je sais pas, c'est... Ouais, le hit validation comme DVD, comme tu dis, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Je me demande si Varg a bon goût en bouteille de vin. Mais là, mais c'est... Non, mais vas-y, mais la game, elle est morte en vrai. On est seulement 3, quoi, c'est dommage. L'autre, il s'est fait attraper, là, le... Alex. Alex, notre ami russe nous a abandonné. Il nous a abandonné. Putain, la game elle fait que commencer. Lui il se barre direct. On est dans la merde. On est foutu, je pense. Déjà un rush kit. Mais oui. Je suis un champignon. Salut Soriana. J'ai un peu peur quand même, hein. Bah, faut partir. Ishaman, le quatrième mois. Putain, le tueur est là, mais René, mais en train de voler à moitié, c'est quoi ces conneries? Mais what the fuck? Non mais attends, mais elle plane. Non mais vous avez vu? Ah, il me tarde de tester ce tueur en vrai. Elle a l'air quand même assez forte en vrai. Il y a une porte à côté. Est-ce que tu peux rentrer là-dedans? Merci beaucoup, Ishaman. Merci pour ton quatrième mois, Paulette. Ouais, c'est pas... Niveau discrétion, là, c'est pas worse, hein. Peut-être aller la sauver. Mais elle peut voler. Eh, en vrai, sur la map, en intérieur, je pense que ça doit pas être worse de jouer avec elle. Oh, il y a tellement la possibilité de se planquer quand même ici. Attention parce qu'elle a une attaque en AO, il faut faire gaffe quand même. Salut Jarim. Monsieur Jarim, comment allez-vous? Tu vas bien Paulet, ça roule? Non, elle est retombée. Mince. Oh, le QTE il passe là? Pour moi il passait pas. Merci Razon du coup de m'avoir dit que quand t'appuies sur shift ça redresse la bouteille. Ou n'importe quel objet que tu as quoi. C'est vrai que ça peut être utile en vrai.
Non, attends, elle est pas morte. Ok, cool. Ah, la bouteille fait quand même beaucoup de bruit, hein. Y a moyen de... d'être trahi par le bruit de la bouteille. Jackpot. Allez, on va réussir à le colosse celui-là. On va rajouter un peu de time. Parfait. Tu vois, enfin un jeu où il faut être bien sneaky, quoi. Si t'es sneaky, c'est worse en vrai. De moi, je crois. Elle est là, elle est à côté. Ok. Alors, essaie de trouver un autre générateur si possible. Tranquille. Juste là, il y en a un. Je suis pas hyper fan de cette pièce en vrai. Malheureusement, la copine s'est refait attraper. Non. Salut Caillou, tu vas bien? Ça roule quoi? Je suis rentré bosser à la maison car le prof de cet après-midi est vraiment trop nul et j'apprends rien. Ah merde! Ouais, les HP sont en fonction de l'objet que tu copies. C'est-à-dire que si tu prends un gros objet, t'auras plus de vie, ouais. Y'a pas un souci. Ah! Ah ouais, j'ai... Putain, la galère! Putain, je me suis fait rouler dessus là. Putain, j'arrivais pas à la cibler quoi, putain. Putain, elle joue bien elle aussi. Hein. On est plus que deux. Mais ce narrateur là il est horrible. Tu la vois pas arriver. Ah, j'entends des bruits. La paranoïa s'installe. On a encore le temps en vrai. On a encore le temps. Salut Cassiana. Bonjour Babs, bienvenue sur le live. Ça va et toi, tu vas bien? Celui-là, il a été réparé. Si c'est vert, donc ça veut dire que ça a été réparé, je crois. Ah! J'aurais dû me barrer. Faut jamais rester du coup à cet endroit-là. T'arrives à passer de l'autre côté et il faut se barrer très très loin, quoi. J'ai merdé. Oh non, c'est le décès. Bon, on sait pas du coup si on gagnera en vrai. J'ai vraiment l'impression quand même que le tueur a un avantage de dingue. C'est, j'ai pas vu encore une seule game, que ce soit côté tueur ou côté survivant, où les survivants gagnent, en vrai. On part direct en tueur, on va tester donc cette fameuse nonne, hein. Allons-y. Avec la Banshee. Sur une map compliquée. Alors les pouvoirs, voyons voir. Kick droit. Ça te permet de taper ton meilleur sprint. Ça marche ?
Ça, c'est l'attaque en AOE. Et... et l'autre attaque, je peux pas la faire, c'est bizarre. Le timer, je sais pas ce que c'est. Comment elle faisait pour voler? Comment elle faisait pour voler l'autre? Ouais, je sais pas. C'est en jumpant, non? Ah, ok, tu fous une malédiction sur le générateur, ça roule. Mais non! Mais non, il est passé où? Oh putain, cette map! Cette map, au secours! Ils m'ont mis la pire map, putain! Ils m'ont mis la pire map! Necros Digital, merci pour ton 5e mois d'abonnement avec le Prime, mon poulet! Un grand merci à toi, poulet! En vrai, j'aurais dû utiliser mon AOE, c'est bête! Ah, c'est pas worse, j'aurais dû utiliser mon AOE. Ils m'ont réparé un premier générateur là-bas, ok. C'est bon, on s'est retrouvé. C'était bien tenté ça. Donc s'il avait fait ça un tout petit peu après, en vrai... il aurait pu, je crois, me faire perdre ma prise, comme quand vous utilisez une flashlight sur des BD, quoi. C'est pareil. Ça répare pas ici, ok, le survivant a été sauvé. Il y a un autre générateur qui a été réparé. La map est quand même assez grande, heureusement, heureusement pour eux. Je vois quelqu'un là-bas qui répare. T'es bloqué où, mon pote? J'ai trouvé. Ouais, putain, c'est fort l'appareil photo en vrai. J'ai un trigène ici, donc ça devrait le faire en vrai. Ouais, comme sur DBD, hein, c'est un trigène, t'es bien. Après, d'autre côté là. C'était trop vite. On va casser ça. On va casser la porte surtout parce que sinon après ils pourront la réouvrir. Allons, on se dépêche, on met le turbo. On va mettre la malédiction sur le générateur. Je sais pas trop ce que ça fait la malédiction. Ok. Salut Abby, bienvenue sur live. Mais mec, mais t'as combien d'appareils photo? Il en a combien en vrai? Je crois que quand tu utilises l'appareil photo, tu l'as qu'une fois. C'est incroyable le nombre d'objets qu'il a. Les amis, quand on a un appareil photo, quand tu utilises une seule utilisation, on est d'accord? C'est la troisième fois qu'il utilise son appareil photo. C'est dingue ça.
Ils cheatent? Non, je sais pas trop. Alors on m'a dit qu'il y avait des cheaters de toute façon sur le jeu, hein. Donc bon. Mais bon là, je sais pas. On va pas crier au cheat trop vite. Il répare et ouvre les coffres, je pense, ouais. Salut toi. Je t'ai trouvé. Oh c'est dégueu. À l'aide. Oh putain sans déconner. Mon dieu. Oh, ok ils sont de nouveau là-bas. Allez on se dépêche. Eh ouais mon pote. Il a plein d'objets lui, c'est insane. Alors je sais pas si c'est lui, après il y en a deux qui ont le même skin. Mais c'est un truc de taré le nombre d'objets qu'il a lui. Mais putain mais j'hallucine. Le mec, il a tous les objets du jeu. Appareil photo, bouteille. L'invisibilité, c'est insane. C'est quand même incroyable. Putain, c'est dur là, ils jouent bien les mecs en face, hein. Ah, ils me font galérer, hein. Putain, quel enfer! Vas-y, on va retourner là-bas. C'est possible d'avoir autant de flash? Honnêtement? Non mais y'a... Attends. C'est quand même bizarre. J'arrive pas à le hit. Allez. C'est un truc de dingue. Allez. Putain enfin sans déconner. Mais quel enfer. Ça a l'air tout doux pourtant. Hier j'ai eu un bug. Le livre au départ je pouvais l'utiliser à l'infini. Ah ouais d'accord ok. Ah c'est pas mal ça. Ah je comprends mieux maintenant. Parce que y'en a un, il a un appareil photo depuis le début de la game, je te promets que... C'est pas simple en vrai hein. Y'a personne. Attends, je te promets qu'il l'utilise, mais au taquet quoi. J'ai un premier kill, c'est cool. En vrai, nickel. Il va se remettre sur générateur direct, non? Non? Même pas? Ok. Bon, y'a du monde là-bas, sûrement. Attends.
Je mets la malédiction ici. Et on fonce là-bas, let's go. Il y a des bugs, ce n'est pas du cheat. C'est des bugs, ok d'accord. Donc c'est pour ça que l'autre il utilise son appareil photo plein de fois. C'est donc des bugs, ça marche. Ouais, c'est chaud pour le tueur du coup. Après tu me diras, bon ça va, on s'en sort tu vois quand même. Mais bon. Quantité d'objets abusés, ouais. On arrive à s'en sortir, mais on va se rouler dessus, je pense. Non, dans le cas de l'appareil photo, c'est juste que c'est pas un utilisable, mais un item avec cooldown. D'accord, ok. La malédiction, ouais, je sais pas trop ce que ça fait du coup. Je vais me faire rouler dessus, les amis. On est dans la merde là, on est dans la merde. Parfait. On a la chaise juste là. Bien tenté. C'est ça? Regardez la vitesse à laquelle il va, le mec! Il a encore des objets à me lancer dessus! Mais attendez, il y a un problème! Non, mais je vous dis que le mec il cheat ou il est bugué, je sais pas, mais. Mais non, mais vas-y! Mais regarde cette vitesse de déplacement! C'est un peu. C'est impossible! Mais vas-y, non mais c'est bon, mais je me prends la tête alors que ça cheat en face, c'est pas possible. Le mec il court super vite, il a 50 milliards d'objets depuis le début de la game. Il y a un problème, c'est juste pas possible. Il y a aucun intérêt, c'est bruit horrible, c'est pas drôle. Non là il cheat, on est d'accord, il cheat. Il court super vite, il me bombarde de plein d'objets. Il a l'appareil photo limite en illimité. Il a... Attends, c'est un truc de dingue. Ça cheat ou pas? C'est un tricheur, il cheat, cheat à 100%. Parce que là, moi je connais pas encore le jeu du coup, mais je vois ça, je me dis attends, c'est bon quoi. De ce que je lis sur les commentaires Steam, il y a énormément de cheaters sur le jeu déjà. Waouh, mais c'est pitoyable. Bah ouais, mais je peux pas le choper. Il est invisible, ok. Je peux juste pas l'attraper. Il a tapé sa meilleure invisibilité et il a disparu. Je peux rien faire contre lui. C'est triste en vrai qu'il y ait déjà des cheaters sur le jeu. Putain, mais les gars quoi, putain, pourquoi cheater sur un jeu comme ça? Un petit jeu sympa, familial, on va faire semblant de pas l'avoir vu. Allez, viens pour ici mec, c'est bon là. Voilà. Voilà. Allez, tu vas rester avec moi en vrai. Non mais tu sais quoi, je te corbe, je m'en fous en vrai mec. Vas-y. Tu sais quoi? Putain, il utilise des cheats et il arrive même pas à partir quoi, franchement. On est minable jusqu'au bout hein, c'est triste en vrai hein. Faut pas qu'il soit des hooks. Vraiment pas de cheat à 100%, mais c'est possible, il y a des items qui remontent l'endurance. Merci du coup pour l'info Milou et salut à toi Milou. Ouais du coup donc sur Steam apparemment ils disent qu'il y a beaucoup de cheaters sur le jeu. C'est ouf en vrai. C'est vraiment lui, il y en a deux qui ont le même perso. Ouais effectivement, ouais je sais pas si c'est Sino ou si c'est lui, je sais pas.
Écoute, on va vite le voir, hein, de toute façon. Mais je vous disais, hein, tu vois, je suis pas fou. Je suis pas fou, le mec, je trouvais ça quand même bizarre qu'il ait quand même des objets dans tous les sens, quoi. Je trouvais ça un peu abusé. Fake news, je viens de check, les avis Steam, je ne vois pas de cheat. Bah les amis, soyez sûrs du coup des informations que vous me dites. Oh, salut toi. On aurait pu l'avoir, c'est dommage. Fake news, si tu veux, je t'envoie le lien des dizaines d'avis Steam en anglais que j'ai lu reportant des cheats. Ok, ok, bon après c'est pas. On va pas débattre, on va pas non plus débattre les amis, hein, c'est bon. C'est le jeu vient de sortir, donc ça se trouve l'anti-cheat est pas vraiment quali encore, et derrière, bah malheureusement, voilà quoi. Il a ouvert la porte, il est content. Il est content? Bravo. Un anti-cheat du niveau de CSGO. Les cheaters, tu en as sur tous les jeux en ligne, c'est ça? Ouais, c'est clair. Mais alors du coup, en vrai, les amis dans le chat, pour vous, c'était un cheater ou pas? Parce que c'était quand même chaud, hein. Vous avez vu le sprint qu'il a tapé? J'ai pas vu tous les objets que pouvaient avoir les survivants. Pour ceux qui connaissent le jeu, un petit peu. Ils cheataient ou pas? Qu'on soit sûr en vrai. J'ai pas envie de crier au cheat alors que voilà. Cheater. La case même pour moi, il cheatait. Il allait tout le long à la même allure. Ouais. C'est possible de sprinter autant? 100% sûr, c'est un cheater. Ouais, pour ceux qui ont joué au jeu, ouais. Vous pensez qu'il cheat? Je connais pas assez pour donner mon avis. C'est la chase, la chasse à la sorcière, ce jeu. Personnellement, j'ai pas vu de cheat en ligne payable. Ça doit plus être un glitch que du cheat. Ok. Après, voilà, tu utilises un bug, du coup, pour... Dans l'idée, tu utilises un bug, tu vois, pour avoir un avantage, du coup, sur la game. Pour moi, c'est... Voilà, effectivement, c'est déjà pas cool, tu vois. 100% sur... J'en sais rien... Ouais, il faudrait faire l'ensemble des mécaniques du jeu pour comprendre si oui ou non. D'accord. Bon, on sait pas si il cheat ou pas, du coup, mais en tout cas, c'était chelou, quoi, ce qui s'est passé. Ouais, c'était chelou. Ok, ça roule. Bon, malgré ça, la game était sympa, mais putain, c'était chaud, quoi. Le mec, il tape des sprints de dingue. Derrière, il a moult objets dans tous les sens. C'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Bon, enfin, bon.